Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez. C'est bel et bien votre tranche que vous aimez tant autour de la question qui reçoit aujourd'hui, donc, derrière les masques et l'émission, avec notre intitulé autour de la question, vous l'avez vu, Jeanette Nabisso. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, comme vous l'avez aussi vu, l'honorable Lumumba, Kiambi Yavanga Joseph. Voilà. Donc, à marge de la journée du 17 janvier 2023, voilà, donc nous recevons aujourd'hui l'honorable Joseph Lumumba, qui est déjà dans nos murs. Nous pouvons nous lever pour qu'il soit avec nous. Alors, honorable Lumumba, voilà. En tout cas, honorable, nous vous accueillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher journaliste. En tout cas, merci beaucoup à tous les compatriotes qui nous suivent à ce moment. Voilà. Et donc, je suis très content de m'avoir invité dans votre émission. Merci, vous pouvez prendre place. Honorable Joseph Lumumba, lui, c'est le président fondateur du mouvement socio-politique, la RIA, donc la renaissance de l'unité africaine, si je ne m'abuse pas. Plus de précisions, lui-même, il aura la parole et il va devoir nous dire tout ce qu'il est avec nous. Honorable, une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup, mon journaliste Joël K. Bienvenue, merci beaucoup et bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment. Je profite de l'opportunité pour saluer tous les compatriotes qui nous suivent de partout où vous êtes, tous les panafricanistes. Eh bien, je suis honorable Joseph Lumumba Kiambi Yavanga, le président fondateur du mouvement social et politique panafricain dénommé la Renaissance et l'Unité africaine, RIA en sigle, vous avez vu ça d'ailleurs. C'est un mouvement qui est là pour prêcher la prise de conscience. C'est un mouvement que j'ai créé pour sensibiliser le peuple africain, pour sensibiliser le peuple congolais et particulièrement le peuple du Congo central sur la prise de conscience et le changement des mentalités. Et donc, je crois que c'est un mouvement qui est déjà installé dans plusieurs coins du territoire et dans plusieurs coins du Congo central. Et donc, voilà, et nous sommes en train de continuer toujours à travailler, à recruter. Donc, je crois, voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on se prépare aussi pour les élections de cette année que nous attendons impatiemment. Et puis, c'est un mouvement aussi qui soutient de bonnes actions du président de la République et de son excellence monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndongidi, que je salue. Je salue le chef de l'État. Et puis, je profite de cette occasion aussi de souhaiter mes vœux le meilleur à tous les compatriotes congolais. Et je n'ai pas aussi oublié de présenter mes sincères condoléances, parce que vous savez que nos compatriotes, la fois passée, ils étaient à l'église, mais il y avait une bombe qui s'est explosée. Donc, vraiment, nous fustigeons de tels comportements. Je ne sais pas qui est derrière toutes ces histoires-là, mais j'espère que le chef de l'État avait dit qu'écoutez, les enquêtes seront menées pour dénicher, découvrir plutôt tout le monde qui est derrière cette explosion. Les gens, nos compatriotes étaient à l'église, en plein culte. Mais le bombe était venu d'où, on n'a pas compris, et ça a tué et ça a blessé nos compatriotes. Donc nous sommes d'accord avec nos concitoyens de l'Est et nous vous présentons nos sincères condoléances, les familles éprouvées. Donc voilà ce que je peux dire, mesdames et messieurs, en tout cas, mais vers le meilleur de nouvel an de 2023 à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Je crois que honorable Lumumba a déjà brossé tout ce qu'on allait lui poser comme question déjà de prime abord. Honorable, aujourd'hui, nous sommes dans la fièvre de la mort des... Je ne sais pas si vous êtes toujours sous ces traces ou sur ces traces. Le premier ministre de la République démocratique du Congo qui a été tué, assassiné, mis dans un tonneau d'acide selon les informations entre guillemets. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette lutte que vous faites et surtout, c'est une réincarnation de la personne? Très bien, c'est une très bonne question. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2023. Nous commémorons 72e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le grand panafricaniste. Moi, je suis lumumbiste. Je suis lumumbiste, j'ai mouru lumumbiste. Lumumba, c'est une icône. Lumumba, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle un dieu politique en Afrique, voire même au monde. Je peux vous dire aujourd'hui, Lumumba est commémoré dans plus de 35 pays du monde. Si vous allez dans d'autres pays, en Russie, au Congo-Brazzaville, au Congo-Angola, si vous allez dans d'autres pays, Gabon, au Cameroun, même au Burkina Faso. Même en Belgique. D'ailleurs, les frais burkinabés, on a. Et résumant, même si vous allez
à Guinée-Conakry. D'ailleurs, je peux vous dire, en 1971, autrement dit 71 ans, le président Sékou Touré, un grand panafricaniste, avait décidé de mettre le visage de Patrice Lumumba dans leurs billets, dans leur monnaie. Et donc, c'est pour vous dire que Lumumba n'était pas n'importe qui. J'espère que, monsieur le journaliste, si tu peux me permettre aussi des fois de s'exprimer en lingala. Pour... D'ailleurs, c'est une émission bilingue. Voilà, donc Nalobi, nganaza lumumiste, nakotika la lumumiste. Malgré que bamsou le baké nomé yoza, mon Congo, comment yo koki kozo Lumumba loko la modèle na yo. Non, bambuta bataki nganande. Donc, en même temps, Nazalaka Lumumbiste, Nazalaka Pe Kasavubiste. D'abord, pour votre information, Ngaï Nazalaka même clan, le village Lumositu Kalanga, Yemuta Kasavubu, Nangami Congo. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, le 62e anniversaire, il y a assassinat, il y a Patrice Lumumba, au Babomaye, Batumbaye Natono, Batumbaye Natono, te, Naba disciple, Nemi Balé, parce que Joseph Okito et Maurice Mpolo. Voilà. Batomitu Lumumba babomaka était parce que azwaka mosha batu. Babomaka était parce que ayibaka mbongo batu. Babomaka était parce que azaka témoin gênant ya ba Belge. Lumumba za mutoyo ayibaki ba secret belé. Azaki témoin gênant, c'est-à-dire Lumumba bande ko linga te peuple congolais to peuple africain à souffrir. Ezaki pona ko bundela bolamu ya mboka. Azako mona mboka za na mbongo belé. Netinga. Ngana uté ko kota boloko 3 ans le 14 janvier awa na kokisa ki 3 ans banda na kota ki boloko et puis boloko na kota ka même boloko o Lumumba kota ka na janvier ngapi na ki kota boloko ango na janvier. Alors Lumumba za muto bande ko luka ba intérêt général ya mboka. Ba donc Lumumba za ko lingate muto mwindu anyo kwama Lumumba za ko lingate congolais anyo kwama. Alors lokola ba mindele ba bande ko gérer mboka na biso mbongo eza ebele mais ezo kene ko tonga ka Belgique biso to jwa ka ba miete ndele Lumumba lobaki non mboko eza ya biso mbongo eza ya biso ba richesse eza ya biso vomé to jwa indépendance pote to gérer mboka biso moko pote mbongo mboko yo moto nyoso tout congolais nyoso tout a bénéficié na yango. Évidemment indépendance ezale kaka pona ye mon côté ezale kina ba mbuta Kasavubu ba Bolikango, c'est-à-dire ba leader à cette époque ya ba chaque coin ya Congo ba telema ki ba sangana ki pona kozwa indépendance. Mais Lumumba soki ba tiaki accent parce que l'unique congolais oyo ba mindele ba koke ko corrompre te ezale ki Lumumba. Lumumba ba ki niati ba miso bazali bango corruptible bandimi na bango bazwa mbongo pote batia na se ou bien bazwa indépendance mais batika ba mindele pe na kwena bango ba fi ba kambongo a Congo. Voilà. Lumumba loba ki pa question il faut to soit vraie indépendance o eza pena ke non to gérer mboka biso moko poto profiter na kita to bozuito mbongo ya Congo. Alors ba mindele ba mona chango ke non muta modelo so to tikiye biso to ko renier te vaut mieux to luka moye to boma lokola pe congolais pas la kana ye lo so mbongo congolais pona mbongo pona ko lia. Donc pendant le coso à côté quand même propre moi l'animal qui a bouti alors bah tu payes ya Congo bah côté na clic na l'icopa ya ba Belge bah kangi Lumumba bah bomiye le 17 janvier 61 donc ça m'a wamingé mais biso alors bah on connaît on a tabo bomingaï mais ça na bah tu m'as la ko bima bah ko landa vision ngaï ya ko luka ba richesse nyo sa Congo ezala na intérêt pe profit ya motoneso sauté ne babu ba motoneso pardon ne babu sono sto bima tozola na ba trace ya Patrice Lumumba et o Lumumba zaki na posa sala asala ngo te pona ba dongolo miso biso pe toko sala yango atako ngo pe ba dongolo miso oyo ba lingaka te ba congolais ba bonga na mbongo na bango moko bazaka ka bazobundisa biso mais biso pe toko tika bango te parce que Congo na lobaka ngo na ba bozu nango eza bien ya moi liboke ya batu te ka lukobi lukanda lubantu kunde ba dilanga ba nuinanga et moi bitumba on a bundaka na kotika ngote nous allons continuer à travailler pour congolais surtout à bénéficier de la richesse ya mboka na yi. Alors tozaka kawana parce que tinga to rappeler ba tous les questions qui font à la une ya émission na bisa lelo donc il y a à boire et à manger chers téléspectateurs donc rendez bozo mon abisso pendant 45 minutes nous allons vous qui nous suivez même en ligne sur YouTube j'avais oublié les liens et la partager les liens si vous nous suivez à partir de peu importe la chaîne partenaire la RTM Bembanzangungu vous qui êtes sur la RTNZ qui s'entoure chez nous vous qui êtes sur Vision TV TNT à Kinshasa nous négocions jusque là les trois chaînes que nous utilisons actuellement en attendant que les autres aussi nous donnent l'accès. Voilà notre thématique du jour dont nous allons parler de la journée dédiée à Lumumba. Déjà, Tokotaki déjà dans la journée yango avant que Topé Sabino thématique parce que Nayambi invité ou à l'obara Mingi.
Donc, des fois, ceux qui ont tiqué, à l'écanine, il y a une question que vous posez. Déjà, je pense que la réponse est la ramasse qui nous est. Voilà, donc, question de l'enrôlement. Oyopé, Torolobé, l'ensemble, na notre invité du jour, puisque vous savez bien que jusque-là, l'enrôlement est timidement timide, si ça s'est dit. Alors, voilà. Et nous allons parler aussi de quelques objectifs et la vision de la RIA. Son parti, pour ne pas dire son mouvement sociopolitique. Nous allons aussi faire un petit bilan à mi-parcours du gouvernement Mbadou, pour ne pas dire du gouverneur Mbadou, puisque lui ne travaille pas seul, il est comme les corps qui a les pieds, les bras, tout ça. Toroué bape ko solo nango. Et puis enfin, Torolobé la, les Kambouza à la veille à campagne électorale 2023. Donc nous sommes déjà à l'horizon. Donc Toroué bande une Torosa la pour que Tomeke peut détecter. Toro gérer pensa tant n'aibi que. Et ça, moi, pas si, mais c'est impossible. Et Toro gérer, moi, tant n'invité Nabiso. Alors, Lelo, ni Toro qui comprend, honorable Lumumba, Tosongi Nabiso, ni Toro qui comprend na comportement. Il y a l'effet premier ministre Joseph Lumumba Oyakenda. Lelo osa sur ses traces. Est-ce que Lelo tokoki komi lobela vraiment que oui, nous avons vraiment la vraie réincarnation et pas nayo. Il y a comportement natire, la détermination, il y a les premiers ministres na biso. Moi je pense que ngate mutufuna ebsabino kenga na za trace wana mais bato oyo ba observa kangai bato oyo ba landa kangai bangone mutufu ba ta la pena geno open ça azav mana trace ya Patrice Lumumba parce que lelo ba fond Lumumba c'est peu bazali ba ye ba profiter na réputation ya malamu to na crédibilité o Lumumba zaki nango ba arracher peu ba portion de pouvoir mais tant wazo sala misala ezo balanté par rapport au poste à sala une fois comme na pouvoir. Donc moi je pense que ngana ko komi betela to lote que non je suis vraiment dans ces traces ou bien je réincarne vraiment totalement parce que les gens peuvent vous dire que type onaza orgueillé mais moko peut se défaire ngaza orgueillé mais juste naza na babilo mususu o peut-être les gens qui nous voient peut-être nous traitent de quelque chose ou bien est ce que moko miyé ba kana parce que omi ko salu d'accord pona se pelisa vous êtes toujours inspiré je suis vrai Lumumbiste à 99%. C'est-à-dire, na lingaka mboko yo il faut ebonga et puis na lingaka congolais nous surtout il faut à profiter na richesse ya Congo et c'est ce qui était Lumumba. Na lingaka pe africain nous surtout il faut na lingaka te mutu a marginalisé tout anyokola africain pe congolais. Et en plus, na lingaka mingi kozala au service ya batu, na defandaka mingi intérêt ya batu, na lingaka pe corruption te eke bo pesanga mbongo pe tuna tika bino bo nyokola ba congolais. Si tel était le cas eke nandi makabilo kwana, vous savez que soki Lumumba lingaka na e cop na ba mindele balinge ba barete, mais Lumumba lingaka cop te yango ba bomaka ye. Alors ngai pe na lingaka cop te do oyé o corrompre nga na e saka bino ke tangu na kotaka bolo kwana le 14 janvier 2020 soki na lingana nga cop na ngena kota boloko te nga bisinga non bino bozolinga bo corrompre ngai natika ko dénoncer ma bena zwa mbongo non do natika bino bo continuer ko nyoko la peuple congolais to peuple mu Congo parce que c'est ça qui crise ya Congo central. Je dis niati. Et donc je vous dis c'est vrai que nazana nga Lumumba nazana nga Patrice Emery Lumumba wana te mais je suis son vrai photocopie. Ok. Je suis son vrai photocopie. Sa vraie photocopie, quelque chose comme voilà. Ça. Voilà. Donc, quelqu'un où il y a Zaka Namakila Moko, il y a Moto, quelqu'un qui agit, pouf, sans tenir compte des retombées. Exact. Il y a une procrastination. Il y a une procrastination. Il y a une procrastination. Je t'attaque. Donc, il y a une procrastination. Je t'attaque. Donc, il y a une procrastination. Il y a une procrastination. Il y a une procrastination. Je vais t'attaquer de peur que baby ça. Batu belete. Donc moi c'est comme ça. Moi je ne donne pas le temps à quelqu'un. On total à un temps sous encore. Non, moi quand tu commences des bêtises, quand je te trouve que tu es là pour mettre des bâtons dans des roues afin que le peuple ne profite pas de ses richesses, ce qu'on bandika ko combattre ba intérêt ya peuple. Honorable Lumumba, soki ke yonde muto kufaka osekwi ndengo tikaka Congo lelo oyé au-delà de 60 ans déjà lelo oyé Congo nino koki ko regretter nango soki pe ko kumisa par où vous pouvez vous enorgueillir. Une très bonne question. Ce que zanga yinde mutu Patrice Lumumba na kufaka ce qu'on a zongi 62e anniversaire ou 62 ans après de l'indépendance, après mon assassinat. Non, écoutez. Congo ezo ko évoluer té. Ezo ko évoluer té par rapport ya ba objectif, ba vision, ba mission oyo ba père d'indépendance
bon parce que on le dit que ce que les angaï na micro sur angaï vision auto zalaka na ngona ba Mbuta Joseph Kasavubu na ba ileyo ba na bomboko c'est à dire ba ningo tozaka na processus d'indépendance vision auto zaka na ngo tozwa indépendance et zakapo Congo za la boité et zalaka pour être moderniser peut non to développer Congo donc 62 ans après Congo et Koti Kozalaboete. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez imaginer, le Congo c'est un pays potentiellement riche, Mbokoyo, et ça capable de nourrir plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Mais, Tala, Potolia, l'eau se fait où t'as étranger, Potolia, farine de masango, faut étranger, oui, Soso, étranger, Missi, étranger, Nyon, c'est étranger, et pourtant nous avons des ressources partout. Et en plus, c'est au Congo où il y a les lacs les plus poissonnés du monde, où les poissons souffrent de la vieillesse, mais la population meurt de faim. Donc, je vous dis, Congo, nous n'avançons pas. C'est la raison pour laquelle je demande la prise de conscience et le changement de mentalité. Parce que Mbokoyo, si vous êtes un Mbokoyo, il faut que vous soyez un chef de l'État, tout ça. Non, vous savez qu'on se trompe. C'est tout le monde qui doit se mobiliser. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. C'est tout le monde qui doit prendre conscience. Moto na moto place à Zali, à Sala, au Sengeli, à Sala. Pourtant, Togo Sangisa, le pays se développe. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans le processus de sensibiliser les compatriotes congolais sur la prise de conscience jusqu'à la mort et l'épinière, de peur que le Congo se développe. Donc moi je pense que 62 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, aujourd'hui les choses ne marchent pas la manière dont nous aurions souhaité. Ndenge to penser la Congo, donc ma perte d'indépendance, ndenge ba penser la Congo et l'eau que marchait. Franchement, exacté. Par rapport à Bozuimbo Kazanango, par rapport à vision, le Congo ne mérite pas comme ça. Comment tu peux comprendre mon frère, ba ciment ezali na Congo, ma banga ezali na Congo. Tous les collègues ma bande de tous à boy. Ezali, basé le Ezali, mais banzela ezate. Bambo comme ceux qui te pour bazoua ma banga, pour bazoua zelu, pour bazoua ciment, il faut écouter ma pays étranger, mais ils ont de très bonnes routes. Donc c'est pour vous dire que nous avons encore beaucoup à faire, mes chers compatriotes, ma jeune partout, besoin d'un gars, il faut se décourager. Mettons-nous tous debout, au bundamboka et bonga et que liboso ata bisote ata banatokoti kalobi. Donc moi je pense que je ne peux pas dire que les choses ont évolué, mais les choses continuent toujours à tourner en rond. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a l'ARIA qui est là, c'est vous qui êtes l'autorité morale, si je peux le dire, mais c'est un parti, c'est un mouvement qui regroupe tous les Africains, oui. Parce que c'est un mouvement où il y a Afrique Mobima. Alors, tant que l'Africain Moussoussou, en dehors, il y a RDC, il y a un message où il y a RIA. Première impression, na bango ezala kinini. Et aujourd'hui, comment évolue un peu ces mouvements à l'égard du continent africain? Très bien, merci beaucoup. D'abord, ce que faut la zoaka inspiration que créer il y a beaucoup. C'était le 17 janvier 2014. Tant on a vendu na quoi yamir. Bah, tout faire souffrir, tout tirer. Na zui nkuba na nous makole vime monoke pasuki. Na vendu ne na zoaka vision na créer un mouvement d'éveil de conscience. C'est-à-dire, j'avais compris que même ngaka suki na zui nkuba wana na kota na boloko, ça peut-être parce que les Congolais ne sont pas conscients. Parce que les Congolais sont des sentimentalistes. Parce que les Congolais ne maîtrisent pas des fois ce qu'ils posent comme acte. Parce que comment on a bandé qu'on défendre l'intérêt de la population, on a dit que les Moutoumoko, que le lingo zotambou, c'est la province des Aboété. Vous avez tout droit. Vous perdez raison parce que vous avez trop tranchant, peut-être. Mais bien que vous avez tout. Mais Moutazo, il y a fait tonga mboka. Tout est caillé. Mais je vais te dire la vérité que monsieur, tu as constaté la moussa dans la parce que tu as dit 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 que tu et pourtant, la population a la contribution à la caisse à l'État. Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit donc, tu as dit que créé un mouvement pour un processus, il y a éveil de conscience, paix. Il y a qu'à sensibiliser bah, sur les changements de mentalité. Parce que le développement, il y a qu'à partir de la mentalité, par rapport au raisonnement. Si quelqu'un n'a pas un bon comportement, si quelqu'un n'a pas une bonne mentalité, il a un réflexe à bien être. C'est pourquoi des fois, beaucoup de gens ne sont pas mais évidemment, lorsque quelqu'un n'a pas de bonne conscience, il ne peut que faire des bêtises. Alors, on a créé un mouvement. Au début, l'inspiration, il y a qui n'a ça, l'angoisse à la capo, on a Congo Mobimba. Mais il y a encore des ancêtres africains qui m'ont dit non,
Patrice Lumumba, ba Kwame Nkrumah, ba Thomas Sankara, ba Bundela Kaka, ba pays de Bango, ba Blaise Compaoré. Il faut abonder l'Afrique, mais parce que le même situation que nous parcouru dans le Congo, et ça, on a des gens au Gabon, au Burkina Faso, au Tanzanie, au Sénégal. Donc, l'Afrique est toujours sous-développée. Pourquoi? Parce que les Africains, tout ça, tout le monde, on a comprendre leur côté. Et pourtant, ils ont un continent, ils ont un thème qui quitte, ou à sopan la richesse qu'on est en Afrique. Mais quand on a des Africains, tout ça, c'est parce que tout ça, facile à manipuler. Tout ça, nous n'avons pas une bonne conscience. Tu peux comprendre, mon cher journaliste, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, Yebisangaï, Africain, il y a des gens qui sont dans un pays étranger à manipuler, tout, à instrumentaliser, tout, à utiliser Mundele Moko, Abo, Mundele. Mais biso en Afrique, Mundele Bazo, dans le continent, Moussous Bazoya, Bakoti va utiliser noir, noir, Bande Koboma, Bande Koboma, Bande Koboma, Bande Noir, parce que Bana Posa a intérêt, tout ça. Alors, tout ça, ça montre que non, Tozana, nous, bébé, sur le plan, il y a plus de conscience. Donc, c'est pourquoi je dis non. Pays Moussous, Bande Koboma, Bande Koboma, Afrique, Africain, c'est vrai que souci dans Zaganango, Nzambe ya fumukimbango na ba mbuta lumumba ba mbuta kasavu baba telangai na lukambo pona banda ko tambola Afrique mobimba pona ko sensibiliser batu po ba comprendre nabi que c'est tout un processus et ko sala mokolo moko te mais avant na kufa bati muta ko bongisa Congo pe muta ko bongisa Afrique zaka ka biso moko ba propriétaire to ba kolo nango parce que mundele to chinois akouta kuna na Chine te to en Europe aya ko bongisa Congo to ko bongisa Afrique si ce n'est que ya ko ya ko kosa biso ayibi ake bongisa pa na bango. Donc moi, je pense que Baibalanda Gangaï déjà tient un commentaire, mais ce n'est que le début du commencement et je veux me battre avant que je meure, que ce mouvement et que ça fasse le travail pour lequel il a été créé. Ok, merci beaucoup, honorable Lumumba. Alors, la RIA Lelo Eza na RDC, Eza mouvement pour ne pas dire qu'ils a créé na Congo central, mais ils a créé na RDC. Est-ce que la province Moussous peut déjà et Zouili Bakou ya Kozalana yo de 1 sous première sous-question, si oui, est-ce que Sololi n'a pas leader y a la province, on a puisque à la veille des élections comme ça, il y a aussi des partis politiques qui sollicitent des ténors dans chaque province, dans chaque district, dans chaque territoire. Osa déjà sollicité, si oui, où en sommes-nous déjà? Très bien. Juste la pose en la couleur. Très bien. Non, et couleur était, couleur je suis, mais la couleur c'est la RDC. Non, la couleur c'est la RDC. Okay. Non, c'est-à-dire opposer aux majorités. Voilà. Non, écoutez, et que Bomimbo que Zamakambo opposer aux majorités. Écoutez, que vous soyez dans l'opposition, que vous soyez dans la majorité, nous tous, nous avons le même dénominateur commun, c'est le Congo. Okay. Donc, cette histoire de se battre, de s'entretuer entre l'opposant majorité, c'est un faux débat. Le vrai problème, c'est que, et vous qui êtes dans la majorité, et moi qui sommes dans l'opposition, nous avons un seul Congo, nous avons un seul peuple congolais. Donc moi je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à nous entretuer. Ça c'est un faux débat. C'est pourquoi d'ailleurs, puisque nous avons la candidat député national et provincial, est-ce que à la fois la province ou la nationale, mais ces critères n'est-ce pas? La loi avait déjà été révisitée, ça existe. Non, écoutez, on ne peut pas. Mais Bimagourma, il y a récemment, il y a attendez, il y a la fois, président ni national et nationale. Non, moi je n'ai jamais contredit cette histoire. Non, je n'ai jamais dit ça. Si vous avez des éléments, vous avez mis les biches. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez non. Les années passées, dans l'électorat. Mon ami, dans quelle émission, moi, je vous ai dit que sont des gourmands. Est-ce que ceux qui jouent, ils sont capables de faire 4 bins dans le match? Est-ce qu'il faut que ça soit la contre? Mais vous avez des postes, Mais écoutez, ça, ce sont des avantages politiques. On sous-entend que lorsque vous voulez être candidat dans les deux niveaux et que vous avez votre pion que vous préparez, c'est votre disciple. Moi, j'ai mes disciples. Qui n'est pas de votre propre famille? Moi, je ne prendrai pas quelqu'un de ma famille. Parce que dans ma famille, je n'ai pas préparé les disciples. Si j'étais là. Moi, si, je préparais. S'il y avait un disciple dans votre famille, il allait aussi faire partie de vos seconds, de vos dauphins. Mais ce qui a Zana est capable. Et que Aza prenne la vision et qu'on travaille pour l'intérêt en Mboka. Où est le problème? Il n'y a pas un Congolais comme tout autre Congolais. Tribalisme. Écoutez, tant que tu fistiges, tu comprends que tu es un déconnaïo, ce qui est incompétent, ce qui est incapable et qui pourrait faire quelque chose de mieux pour le Congo. Moi, je ne vois pas les conséquences. Lui aussi, il est Congolais comme tout autre Congolais. Donc, on a tout fini. Non. Je ne sais pas si Ezali, na katanga Ezali, mais c'est le même chose que le Bakaka, le moyen qui a été comme le Kotuana Izate, comme.
Serge Nakatanga, c'est lui qui nous représente là-bas. Mm-hmm. Même dans Nord Kivu, Sud Kivu, nous avons des compatriotes qui sont là-bas. Tout na bazali donc balugagana kende kuna par rapport ya vision tout ça dans ngweza malamu tout ça, mais malheureusement ma konki ko kenda kune zate na pesi bino mbote pa bozali bozala calme bo yamba kaka idéologie bo continuer ko travailler même si lelo au côté na parti politique n'importe lequel d'ailleurs ouza parti politique était mais ezam mouvement d'éveil de conscience, c'est un mouvement social et politique panafricain d'éveil de conscience et de changement de mentalité. Donc Ozalana PPRD, Ozalana IDPS, Ozalana INC, Ozalana MLC. Vous êtes concernés. Vous devez changer vos mentalités de peur que lorsque vous allez arriver au pouvoir, que vous puissiez travailler uniquement pour le changement, pour le développement de la République. Alors, concernant Makametali, pour le bonheur de nos compatriotes, oui. Parce que c'est ça aussi le souci. Pour Makametali, ma parti politique, oui, en tant qu'un acteur, parce que les mouvements s'occupent aussi de la politique, s'occupent oui. Du social. Oui, il y a des partis politiques qui m'écrivent, ils sollicitent un quota, mais. Nazara nous pressé à adhérer na parti politique mon côté. Pourquoi? Parce que parti on a adhéré, faut pas comprendre on a na lingi. Na boyi que ngata on a zo télé mais la banti valeur bango kuna bazo mo na ngoke na zo ko na zo empêcher bango. La bimso opposé na bango parce que awa likambo ezawa, il faut mabe koti kala mabe to ko protéger ka mabe te. Il faut to luka to kende na malamu même si on a opposition. Pour nga politique na ko sala na parler du peuple tant on a la députée nationale la 2023 au Yezoya na bi que population que ça soit glissement et salami, vote au salé macaca. En 2018, c'était au glissement et salé macaca. Et salé macaca, de vote au salé macaca, en 2015, pardon, c'était au glissement et salé macaca. Donc, qu'il y ait glissement ou pas, mais ce que les gens doivent comprendre, les élections auront bel et bien lieu. Mm. Alors, on a vu que la population m'a dit, on a vu que les gens ont mis les gens, on a vu que les gens ont s'enrôlé massivement, on a vu que cette fois-ci, fini. Ma distraction, oh, Tenimutsa mauvais la loso. Tout ça, ce sont des bêtises, des distractions, on va le mettre de côté. Tout droit vers le développement de notre territoire, de notre pays, de notre province, c'est ce dont nous avons besoin. Tout ça, donc on va mettre de côté tous les commerçants politiques, tous les businessmen politiques, ok, de côté. Maintenant, il est temps où les vrais fils du pays, du territoire, de père ou de mère, viennent dire à tous les Congolais, à tous les Bakongo, à tous les madimades, que non, le vounou le louka, le kaladiaka yeki foulou, quoi. Allez, baoukouba, c'est de qui quitte mon politique, ou louek, allez, le mumba, allons droit au bi. Voilà, merci beaucoup, honorable le mumba. Donc, vous comprenez que pour nous gérer Moutaboué, donc, un mot au boué, et ça l'est là, on a passé, mais na mes sana na déjà moi mouké. Donc, voilà. Alors, honorable le mumba, Toza ensemble na yo, mais apparemment jusque là nous s'enrôler tu as comprendre pourquoi question a une à se poser. Bon, nous avons posé yo invité puis bandeko bazo landa biso. Bon, esa question moko est créé polémique té. Honorable Lumumba, osa leader d'opinion, pour s'enrôler, il faut toujours des fanfares, des tapages, tout ça. Yo que zo carte d'électeur na. Non. Bon, je m'excuse, c'est une émission en ligne en tout cas, ça touche tous les Congolais. Et ça la tapage té. Même bandeko obazo ken ko se faire enrôler avec ma base na bango, c'est une façon de motiver les gens, c'est une façon de faire voir aux gens que nous allons tous se faire enrôler. Un leader, c'est tout à fait normal, même bandeko obazo ken se faire enrôler avec des bases, na zo na tapage te mais c'est une façon de sensibiliser les gens, d'encourager d'aller se faire enrôler. Donc ils appellent tapage dans le sens où on a même ma collègue ba leader d'opinion parce que se faire enrôler, moi je les encourage, ce n'est pas dans le sens il y a tapage. Alors pour nakana ngai nanu nakek ko s'enrôler, moko na ko se na ko na ko s'enrôler au cause là en tant que mon journaliste d'accompagnement au cause là wana pour jobi lili pour olaxana batou pour na lancer discours batou ba se faire enrôler. Donc je crois bien tokolo bel problème makambo ya enrôlement awana ko beta c'était. Oui. Donc, Batouba s'enrôler massivement parce que non seulement ils n'ont pas que nous voter, mais ils ont peut identité dans Bango. Donc, ils sont très important pour ça. Donc, voilà pour répondre à la question parce qu'ils n'ont pas vu trop comment. Mais c'est une façon de sensibiliser la population d'aller se faire enrôler. Ok, merci. Nous sommes déjà là presque. Et Loko, et c'est là qui m'a bé la fois passée parce que j'étais aussi parmi ceux qui avaient travaillé pour. Qui avaient accompagné peut-être la CENI dans l'électorat. Mais Loko, et c'est là qui m'a dit. Ils ont député mouké ils ont manque d'enrôlement les électeurs là qui moi mingi alors danger nini population m'a dit mais au parcourir puisque j'avais des fois en Banzan on a 6 7 8 députés provinciaux
Vous imaginez un peu, non pas que parce que c'est plus facile, mais peut-être parce que sensibilisation et puis la population a déjà conscience. Alors, dans une population, ils ont parcouru les lots, où ils ont là, là, non, nous, ils ont dit, ah, tu as ma carte, tu es, si tu peux, carte, tu peux, ils ont dit, ils ont dit, vraiment, ton côté, c'est quoi, il y a processus, il y a enrôlement. Mesdames, mes frères et sœurs, il y a Congo central partout, Bozouami, mais particulièrement Madimba. Bana Madimba, puisque nous avons. Naza originaire ya Madimba de père et de mère. Voilà. Gutukila ku kisantu, ngelele ku kisantu. Après ngita kuenda kodile da ku vata, ku baganga puku nuni kuna vata. Donc les lots tous en période oyo ya enrôlement. Première phase batela ki biso et un mois ya pamba. C'est pourquoi nazo tambola na ba site mususu ya enrôlement, ba machine ezo kufa ba ba. Wale za problème mususu oyo. Tous ça lobbying et pas il y a président national il y a CENI mais c'est Kadima pour être azo solution pour ba machine ils ont coufa na ba bureau de vote oyo ba groupe exalté ba courant exalté ba tia ba groupe électrogène parce que ce n'est pas normal donc bokende ko se faire enrôler massivement botika makamba ko loba oh non moni enrôlement ngoso kende tongo to umela d'abord il faut comprendre que non. Enrôlement, on a des désavantages. Na Madimba pa na biso awa désavantages. Premier avantage, na 2006, na 2011, tozalaka na 3 députés nationaux, 4 députés provinciaux. Mais tant que na 2018, député national le moko kwei, to tikali na 2 députés et puis députés provinciaux au lieu de mata au moins place non, wa to kitaki to tikali na 4 wana. Alors ce n'est pas du tout normal. Na Kasangulu bazaka na député moko na 2011 pe 6 député national moko ba maté ba komi mibale bazalaka na 3 députés no bazaka na 2 députés provinciaux ba maté ba komi 7 alors biso to kita ce n'est pas normal. Alors na minute yo danger toza nango soki par exemple tozo tsakaka ba bizeti to boy ko voter to boy ko parler to boy ko kene ko zo ba carte 1 toujours risqué tout tika lana ba député té na Madimba oba ko ko défendre biso toujours risqué ba siège non surtout ekende et surtout nazo dénoncer avec force ba député ya Kasangulu ba zo sala système ba zoaka ba tu awa na Madimba ba pesi bango mbongo ba pesi ba tie bango na mituka ba kende ko zo ba carte électeur na Kasangulu nazana ndeko na biso moko amoni bango na gare bazali mutu na bango azo zoaka ba tu bazali mais na dénoncer yango na réseaux sociaux na lobaki ba botika ba pratique wana soki te to koyoka na te parce que ce n'est pas tangite yo tangala na oba tout non député wana ezande ko nanga ntsalambi ntsalambi ye wana et puis nazana ndeko na ngai ntsalambi hein. Mais c'est le député Tsalambi. Oh, mais yom to tuninga kombote. Non, na tuni Tsalambi. Et puis toi na ndeko na biso moko akende ko mona ye. Alobi, oh, mes grands frères. Nkima moluko ebangila benu. Ni no bozo sala. Bozo ko zoka bato. Oh non, ba député. Yo repose na biye. Ba député na binu ya Madimba. Ba lali na bango pongi, yango biso to obete na biso haute politique. Ah. Alors, tant on a sala ki audio ya dénonciation. Ndeko moko na matadi, moko ba leader na matadi. Abengi ngai. Alobi honorable Lumumba makambo lobi ozana raison ngape na kutana kina député mo na chauffeur na memaka député Tsalambi to tuni amikolo to monu talobi na zako zo batuna ki 100 tout na zoko tika bango na Madimba boka na chauffeur na ba chauffeur on peut sans discrétion. Oh mais non mais ezana ngoma makambo ko bomba mate parce que zo sala mana aussi au vie de tout le monde non comportement qui a s'enrôler ba foute en soi zongi na voilà ba pesier moi kanyaka et puis ba pesier soki la ta di nzonzi sardine na kuanga pa zongi et puis bino ba ndeko na ngape Madimba ba takuna ta kubulu kubulu na mwana kombo soki ba komi quelque part wa kami futu mukini ntuti nini otikika ba tubwe do luyambole kine kimpa do technique na bango. Na comprendre nzo kande so ba siège mataki bango na 2018 c'est que technique na bango za Kinshasa ba Kinshasa ba yozo na Kasangulu ba Madimba ba kina système wana botika ngai na za mwana Madimba de père et de mère né ici grandi ici alors province à Congo central les a composé de 10 territoires mutu na mutu akolinga te territoire na ye ebeba parce que député moko te yangula uta na Kasangulu aye ko lobela Madimba rien betu Madimba mata nienga kaka na mona lukulu bola luta bola Madimba zo kufa pona ko zanga ba député ya malamu alors bana Madimba bo s'enrôler bo kende ko s'enrôler côté mususu te c'est vrai que ba choix bo salaka ezo ba choix moko pola
Na banda ko formé banda 2007 ti lelo do asa mire na politique na ko présenter bino disciple oya ko ne ko vendre na matadi nga na matiki nchasa soko to sala ka jonction nga isoki na beti na kinchasa ya beti na matadi après rencontre na kisantwe na madimbe kama député mabeno makatu katu kuma kwese de kinkita wele baka mbongo kuzi vuna bantu mutini mutsambo vela loso yoka tina kwene beno koko kaluka moni mambo mutu kulubela nkatu donc je pense que j'ai le kana mikole koya na ko sala l'émission on a ko na kwebi sa peuple député ezalaka nani musala ne ezalaka nini ke obazo sala la bino oyo pendant 5 ans batini ni oba moins de 5 ans du sukidi bezi vuni bantu mutini kiki kutu ye vela loso pendant kinge bana munanzu kutalende kuba sanse ku passer du secret donc ki député wana bango ba yebi yango te na ko lakisa bino ndenge musala ki député za nini pe asala ka nini et puis yo peuple pas député aux anani donc moi je pense que to koyane monsieur Mubimba na ko expliquer le wana et peuple mo kola ko comprendre que yo mtazala ka patron ya député c'est ka bamvuna dia ka movela loso mo kola ko comprendre que mutuka na député tira ka kisakata yo mtasombela yango pe mtafuta ka chaque mois j'espère que ba ko kose sous na moi qui tendi ya elambate $21,000 wana na Kinshasa mais yango no zo mo na député ko lupango na yo ki no defa mo na banque pa ko kosa peuple ay biki sona kayina ko récupérer na ngango honorable donc, nous avons dit que nous avons une carte d'électeur, s'il vous plaît, parce que nous avons un. Ce qui est une carte est belle, vous avez la peine à avocat. Parce que député a un avocat, vous avez un avocat est belle, vous avez un avocat. Malgré que vous avez un avocat, vous avez un avocat. Oui, parce que vous avez un choix pola. Donc, tout le monde a un choix bien, vous avez déjà un vrai choix, et au niveau national, déjà et au niveau électoral. Et après campagne, mais ça éveille de conscience. Ok? Nous avons éveillé conscience. Et puis, kaka. Carte d'électeur wana et ça peut identité na yo parce que onup tant que bagosi le processus il y a enrôlement des électeurs onup akobanda ko imprimer ba carte d'identité alors yo so ke ko zoate okozanga carte d'identité or muna yina tangu obata sala ma recensement bazo sala recensement baluka ba congolais yo no bité okuta mukanda nzo la kisoza congolais et puis pour appeler ça moi exemple moko peut-être ba tso balandi ngo e ko pesa ngo encouragement na 2018 ndeko moko aba kana kisantu awa kende ko se faire enrôler ki ko baga carte ko nako kende nangate et puis nako ko voter pété ba tongo to voter ba sala ke loko tinga bisa ba non carte zaka ka pona vote te ezabe pona identité na yo parce que oko kende banque oko kende en dehors la frontière ya wonde mte ko sunga tout ça lobi ki ko enda ko nako kende te ok ba carte ba sili ko pesa nion surtout obi ke tanga sisi ko pesa ba carte ya ke ko zwate 3 mois après azala ka pe mutu moka sala ba cop ba business akebo e cop mo fala kenda sala bo e ko futa ye ba $5,000 ba si identité carte d'électeur ya langa mbangu o honorable sala miracle mais miracle na osa les actes soki par exemple aux autres carte et bungi to ko kenena seni ba bimisi ba bimisi duplicata mais le ko lo sans relaté donc mystique à Nyonga, à Lela, tout ça, on que tout le temps, on va fonder le bureau, on va faire le donc, les Congolais ont l'ingaté dans nos conséquences, et elle a aussi mon jamais. Donc, on a une loi là, on a une temba. Donc, du coup, on a dit, il a dit, donc, pourquoi on a dit, sans kanda, moi, je suis en train de faire longue là. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, bon, quand on a séni, souvent, nous avons dénoncé à Bloco trop, mais cette fois-ci, vous n'avez pas dénoncé. Bon, je ne suis pas contre la séni, j'ai juste fait une observation. Seni azati siko na problème ya logistique. Récemment, j'ai eu quand même à faire ces reportages biloko ya seni ezala ki na monde à part namabele bazo zela mutuka transport et matapo ikota mboka kati. Malheureusement mbule beti biloko ekenda raté. Alors ces retards là aussi au monté kezo ko handicapé sous ce processus normal ya enrôlement. Très bien. Un mois au bafé 6 ans mukié. Raison pour laquelle d'ailleurs na profité une émission oyo so ki président national ya seni monsieur Kadima kolanda ngai akolanda yo parce que il me fait en ligne monsieur Kadima moi je pense que ba prédécesseur na yo oyo ba salisa élection to Dieu na 2006 monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu de reste mémoire paix à son âme akufa na ye monsieur Daniel Ngoyi Mulunda na 2011 mbote na place aux ali et monsieur Corneille Nanga na 2018
bango nyonso tango ba sese ba election enrôlement na bango ezalaka ya 3 mois kutu ba machine na bango ezalaka pe bien koleka oyo ya yo mais yo na tour na yo oyé nango pour 1 mois alors moi je pense que toza prêté ya kolia nyama ya kopola zwata obongisa mbisi na yo ezala bon état donc na sengi yo monsieur Kadima 1 ba machine wana soki monsieur Milou soki Miru système wana si société wana na mituni société ngo c'est à peine ba bandi ko sala machine ba ko mekela ngo kaka na Congo ou bien ndenge nini parce que ba bisike belé chez okufa na minute na ki santo ba nazali machine na système kufa ki nango ba sala ba musala te na uti mboka mobo na kati kuna na ki ntudi ko tangé ba machine ngo kufa ki ba machine ngo ba batterie ezo si la moto ba groupe électrogène za te ba milliers riro donc moi je pense que bongisa ba condition na yo na dénoncer ki ngona ba na réseaux sociaux et puis bongisa ba machine na yo botiaka na kati ya bureau ata 3 ou 4 machines pour ceux qui mongé kufi 2 ou 3 etikali ça c'est 1 de 2 na ba milliers au courant électrique za te botia ba groupe électrogène je ne peux pas recharger ma batterie wana po batuba s'enrôler massivement donc déjà dorénavant na singi déjà mais c'est qu'adima ça ne sert à rien de courir vaut mieux tard que jamais enrôlement nayo bakisa 2 mois nenge monsieur Malumalu de res mémoire salaka nenge monsieur Corneille Nanga salaka na 2018 nenge monsieur Daniel Ngoyimbu Lunda le pasteur que je salue les deux autres là qui sont en vie basalaka à salaka na 2011 donc okay. Moi je pense que c'est ça parce que ma machine est a fouti et puis côté déploiement na yeba kité est-ce que mbongo ezala kité ba benga ngai na bandeko na biso oyo bazo travailler ba benga na bango ngai oh non écoutez fallait donc kende masiki la mbongo ezate transport ezate mbongo ngope ba kufuta biso pe to yebi ngote combien bon mais mes chers amis ba pe nimbo ngo kulia ni tout ba mboka ndenge nini bozu mutu na musala ayebite akofute makombie et puis kota zokende azana ba moi si azotika koto kota zokende azana tata te mama te alors les ate moi je pense que voilà kokufa ya Congo kaka yangoyo kokufa ya Congo yangoyo donc il faut changement de mentalité il faut prise de conscience soki yo ofongoli compagnie ozana mboka kofuta batute kozo batuna musala te pena ke non ngai fallait na kende masiki la mais transport nkatu kimaki dian katu kimisisa kubana nkatu bon finalement ce que vous et puis plus pire encore mbongo au fobo futa yepe ayebite boko futa ye combien alors moni que tout ça moi je pense que ça montre que les Congo et les Congolais ont toujours de sérieux problèmes donc moi je pense que c'est ici où nous devons prendre conscience et que mboke ko tambola modèle autre parce que tango déjà mutu eh bo pesier transport te pas kende ko sala musala de bo pesier mbongo te pas tika na famille 3 bo pesier mbongo te pas kende ko lia kuna 4 matériel ngo pe pola voilà. Yebisangai c'est pour que ça donne quel résultat à la fin c'est toujours zéro okay. Donc moi je pense que vraiment ba congolais tous à la batou tous à conscience poto tonga mboka en tant que nous sommes un pays potentiellement riche mais la population elle est pauvre pourquoi parce que la manière dont nous faisons les choses ce n'est pas comme ça donc il n'est pas tard pour mieux faire. OK, merci beaucoup donc merci honorable Joseph Lumumba Nkambi Yavanga voilà le président de la Renaissance et l'Unité fondateur du mouvement sociopolitique la RIA voilà c'est ça donc c'est lui avec qui nous sommes en train de nous entretenir awa autour il y a ma question de l'air hein, donc comme d'habitude donc il y a lobby baba ça des mois à proposer à Sengi hein, et pas à Monsieur Kadima, au bac ça des mois comme ça permettre tout Congolais à sa carte naïe calme. Ma pote le gars sous bas rubrique était oh voilà. non. Babazo quoi importer bas tout bas outil Gabon bah il faut voter dans Congo tout ça c'est pas bien. Voilà. Alors il a aussi parlé de la vision y a RIA hein Bobby RIA. Alors honorable. Mais Nari y a ou un des nalobas qui à part sensibiliser bas tout ça du côté social et c'est que nous assistons aussi les gens du côté social. C'est de là où Nani Nakoma. Côté social. Oui côté social. Côté social, tu assistes à capé batu. Bandeko oyo, asana ba difficulté, ana problème. Moi, Mikié na ganyaka, tant on a potana, d'une manière ou d'une autre, tu assistes à capo nandeko. Parce que, devisari ezali, bolingo, mi beko, mi sala, l'amour, la justice, le travail. Mais oui, parce que ce que bolingo ezali, toko bomanate. Ce qui t'a tout ça, mi beko, désordre de gozalate. Ce qui t'a travaillé, nzala, et gozalate. Parce que na Congo, ce qui t'a nyo comme un, l'amour n'existe pas. Nous ne travaillons pas et puis nous ne respectons pas aussi la justice ou les lois de la République. Donc c'est pourquoi, dans le cadre du projet de société 1, Tozawana,
pona l'agriculture durable tokosa la bilanga pe tokosa la kango déjà moi bandam ndambo na moi ba petit moyen mais moi je pense que le tout pourra démarrer tango ngamoko leader na kokota na pouvoir sukonde na komi na komi capable de autonome si voilà na komi autonome parce que je sais quand je travaille et je serai aussi à mesure de pouvoir se déplacer pour aller chercher des partenaires ailleurs et puis formation des jeunes désœuvrés. Tout le monde a bandé que belé, bané belé, bajène belé. T'as mon souci. Azan a ma souci avec la musala, mais tata soit azan incapable, maman azan incapable, et puis le bakumi kuluna. Donc nous sommes là pour encadrer, pour l'encadrement des jeunes désœuvrés, et puis ouvrir encore des ateliers d'apprentissage pour que tous ces gens-là qui n'ont pas eu le temps d'aller étudier, de venir apprendre le métier. Et puis on voit aussi la pêcherie, hein, donc la pisciculture. On a pour notre projet, même si ça c'est pour notre beaucoup là. Donc c'est Bambisi. Et puis soutenir encore les pêcheurs. Et puis voilà, faire l'élevage. Il y a un bangoulou, un tababa soso. Donc ma projet est belé, mais seulement que le projet ne se trouve pas à réaliser et c'est un gambongo. Dans un processus, il y a un gambongo. Et puis je crois bien, ma ressource, nous avons créé un bon yogozoama. Et mes collègues, dans 5-10 ans, il y a comment produire ma soso, mais de vraiment inimadimba. Et je te kama, je te zolia, je te mis sur le bon et tout ça. Donc je vais me battre pour ça. Mais seulement que Potoko Makuna, et je sais que quelque part, et nous commençons quelque part et nous sommes en train d'évoluer parce que dans beaucoup yo mutu akoza na idée mala mba soutien za la kamboulou attends je bisa yé tala makam tonongo posa yo mutu na moyen pesa biso rien l'état peut soutenir kana yé ba organisation ko pété alors d'où ngamoko na na zo bunda elongo na nzamba fumugi mbango na ya muta lumu na ya muta kasa bube ya ki mpa vita ya muta maswa donc e bina bia okulu ya ki yampadi na ibike avana kufa na kotika la ko réaliser ba projet wana ata 50% et ba kotika na zo former ba kotika la ko continuer. OK, merci beaucoup Nzamba Sungayo okufana noté. Donc voilà. Aujourd'hui honorable Lumumba osa parmi bato bazo travailler ba proche collaborateur ya le docteur Gibandu Ndungi di le gouverneur des provinces ya Congo central. Lelo, est-ce que c'est santaka fier ya ko appartenir na gouvernement oyo? Si oui, ni ne motivé parce que vous étiez parmi les premiers communicateurs, il y a gouverneur quand il fit encore candidat. Oui. Donc les gens vous avaient très mal compris. Oui. Nga na zamutali boso na banda déjà makelé le pona ko la campagne ya gouverneur Guy Bandu et belé ba traitanga de tous les mots. Ba finga nga ba cholanga melelo kutu ba misusu ba zo ba posta minene ko lekangai mutu ba finga. Donc le naza parmi parmi les collaborateurs, il y a son excellence, monsieur le gouverneur, le docteur Guy Bandu, que je salue. Et donc, dans le cabinet, dans le comme expert, toujours travaillé, toujours salam salam. Oui, c'est ça là. Bon, vision, on a soutenu la cahier à l'époque. Vision, on a payé Zali. Azo Bunda n'a payé ça là. Oui, c'est ça là. Parce que c'est ce qu'il faut retenir aussi. On monite comme Tazo peut sa vision que nous avons combien de salles à boire. Soit combien à vos salles, on a baguette magique qui était à jouer quand c'était le col à Moïse. A bêté, pan, malamoko, Nzila ito mené, pan, malamoko kuna, kolia et bimi. Mais il faut ça la planification, il faut ça la plan. Et puis plan après, il faut le kambongo pour à financer Biloko Wana. Or, Mbongo central le temps qui a coûté qui n'a été presque l'autre côté il faut bande mobiliser Mbongo moi mon qui est là qui on a yango à pèse à bande au pèse à enseigner à 30 oui à instaurer système il y a prime à gratuité parce que quoi, mais oui parce qu'il faut encourager bato yo bazo ko enseigner bande na biso oyo lo ba ko remplacer biso parce que l'éducation c'est l'avenir donc c'est l'avenir parce que nous aujourd'hui nous ne serons pas éternellement nous serons demain. Nous serons partis, toko kufaka, toko nunaka. Alors mboka, bana wana nde mutbako yako ko konza mboka. Alors, bansena ou bazo tangisa bana wana, soki bazana ba condition et pola, ils ne sauront pas vraiment transmettre une très bonne éducation ou l'éducation de qualité à l'enfant. C'est pourquoi le docteur Gibanda Monengeno, hormis Oyo, l'État congolais appelle sa bansena wana, balolegalelege saka mukie. Nga pe susu peut-être sur na bakisi kama mukie Oyo et ko motiver bansenyan. Et en même temps, na ba chantier kutaki Oyo, ma prédécesseur ne batika qui paie, son côté à Kasangulo, comme on a l'école, à Silicie d'école. Voilà, son pays, Natche, la Kuna, Kuna, d'Oiseau, Bundana, Bundana. Mais stade Lumumba, t'il le dit. Stade Lumumba, il y a à boire et à manger peut-être que jusque-là, parce que les infrastructures, mon cousin, mon néné, ils ont 5 appels budget, mon costaud, mais à l'obité qu'abandonnant, ils ont continué toujours à mobiliser les moyens, nos partenaires, disons, nos entreprises. Moi, je pense que dans les jours à venir,
à abandonner et aussi la caca parce que les infrastructures moko zo senga ba millions boye bien oublier qu'à l'époque il y a ma prédécesseur naye ba millions et bima pour na area et s'il ça ba stade wana mais ba millions ngue lesama et donc il y a près minute zo ka ba millions wana pour na à injecter stade wana sila. Donc pour votre information stade wana et aussi là et côté karananzela et aussi là donc pour na biso na madimba wa déjà projet ya bétonnage ya il y a artère, il y a Kobanda, a on a pont, au côté là, Ika, Tina, Évêché, projet Wanezali, la fois passée, nous avons solana conseiller technique Nabiso, déjà budget déjà bah viré qui la société Wana et travailler Nzela Wana. Donc moi je pense que Azo Bunda et puis et le comme sous peut-être festijaka, moi je pense que il faut encore ma garde député là qui ne parle du peuple Ngamoko, naib saka bango comment 40% au ya province mais ben Golobi il faut pas retenir dans la source mais ils allaient respecter il faut que les nanu Kinshasa et au rebazo misango pe ezonga kate nyoso wana yango ndimte sala ka des fois ba province bazwa moyen ya fonctionnement ya malamu te kaka na moi ba bi krokoto krokoto na ba kongola kamike mike yango ndimte sala ka peut-être ceux qui gouverner azana mutema malamu azana souci à travailler or que 40% de ceux qui est bandé côté cala na province et nous avons les locaux moko sous très important donc, pour la tout ça donc aux autres considèrent les locaux rôle bas que bilan est positif déjà à mi parcours na temps où a sali déjà est positif na temps où a sali déjà tous les ans 9 mois temps où ceux qui 6 mois a sali déjà vraiment c'est positif alors les locaux qui est qui na souhait moko zaki na on pour parce que ils nous suivent aussi ceux qui souhait moko est là qui a les locaux moko a proposé pas naie par rapport il y a parce que la charité bien ordonnée commence chez soi. Et pas na yo awa, ce qui zaki nelo m'a proposé. Nga déjà na sala ra constat, il n'y a pas de grandes entreprises ou qui ont engagé batou, il n'y a pas une banque. Et qui ko sala ressources mobiles à part bawa mike mike tozana ngo ba banque Lambert voilà ba coopérative merci alors les loso ki ezaki le romo ki ko proposer par gouverneur justement hormis onga ina cité soit comme ka kotia moi monzolongo na onga na onga lobi wana ko zala nini voilà d'opinion que vous êtes voilà donc ce que ezaki le romo ko sala parce que ici maintenant, je cesse d'être expert dans son cabinet. Voilà, mais... Je suis maintenant en train de parler étant comme le leader d'opinion, leader politique, le président fondateur de la Renaissance et l'Unité africaine. C'est que nous n'avons pas son Excellence Monsieur le Gouverneur qui sent que Zalaga Boete inkisi, inkisaga Boete. Bah noko des fois ou des raisons, on ne couvre pas ce que Zalaga noko n'anga. Bah beaucoup magan ambongo ajino. Papa na bango. Antoine Lukeban, Azalaka, Azalaka chauffeur à Wanadjino, et puis sa chérie P, et Bokolaka Batou, Ntsangi Barti, Zakosa la Babach, Nangidinga Panangakune, Bokolaka Batou, mais Sep Congo, pour Sep Congo, tu les alliés, les alliés, à moins que les gens le contraire, mais les alliés, ils sont contre, malgré. Kuna ba konza sepango bazo nyoko la ba travailler bazo sala kuna wana to sala nso emission bon ba travailler et ya ka $100 o ba journalier et ya ka $100 ye bazo pesa ye $70,000 mais $70,000 te congolais amte mabe congolais za ndoki donc mutazo boma congolais za muningane congolais mutazo boma congo za muningane congolais okobale tanga mususu mundela uti na ye kota uti aye na ona Congo aye na likanisita musu afuta ka travailler wana par jour $5 par mois futa ka ita musu $500 mais ba congolais o ya ko engager ba kozala likolo ya baninga ba olbakelo patron bon wana za mu eze bele pona bango kitisa et moi ndo bana ba ko kata ba kaboli lisusu bango na bango kuna donc ngana mona ngo tangu na zalaka na SGI Kasangulu na 2008 donc nous sommes congolais, il faut changer mentalité. C'est ce qui alors. Ce que nous n'avons pas, son exemple, c'est le gouverneur. N'est-ce pas Sacheri Wana? Sacheri Wana, Toyo Kakasango, ma machine est en bon état. Mais elle a marché pour fonctionner. Or, tout ça, la cimenterie est belle. Il faut seulement demander à toutes ces sociétés, ou deux ou trois sociétés, que non, bino, bon son, bakaba sachet, libanda ya Congote. Les bandes à Congo centralité, vous ba commande na sacheri na kisantu. Or, ceux qui sacheri na kisantu, à ba commande soit y a ba société ya cimenterie wana ya Congo central de kuna. La sucrerie tout ça. Nyonso wana sacheri kozonga. Alors plus sacheri ba pesier ba marché soit y a 1 million, 2 millions, 3 millions d'emballage et sacheri pe a kozwa batuna musala, a ko engagé pas kozwa ba journalier ko mona pe netika ka j'ai azu ba 500 personnes na kisantu. Okay. Et ça va donner de l'emploi. Dino pe
Dino peut avoir un peu de matériel, malgré que la moquezo couffe, ils ont qu'un demi. Dino peut probabilité payer à cause d'un appel à la canango. Donc c'est une question lobbying à Makassi, gouverneur a su pena engager à dire que non. D'accord, il a créé un emploi dans la société, dans l'année, tout ça, qu'on a mis à l'école, tout ça. Donc, ce qui est passé, c'est que le gouvernement a dit que non, Niat, a eu ici la société, on entend que le numéro 1 de la province du Congo central, que non, sa chérie, tout ça, tout ça. Nous, on a eu un lobbying de ma députée, il fallait pas ça là quand même, ma députée qui a dit quoi, on fait un cadre, on a eu un peu de temps, 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 on a eu un peu de l'État, ma corruption, non, le kanga après la vente naïe. Donc, moi, je pense que Biloko Wana, d'ailleurs, écoute, c'est pour que nous avons pouvoir avec les députés. Parce que les députés sont abandonnés, vibrer, nous avons été les mélanges. Ils sont abandonnés, vibrer. Mais ceux qui peuvent pouvoir, ils sont abandonnés, attendent à vibrer tout ça. Parce que tant que nous sommes députés, nous sommes capables même de sanctionner les ministres, ceux qui ont appelé ces dossiers, à boire, à sanctionner. À l'émotion. Oh mais non, faut longer parce que quand le Kobe longue au cas où on est au dîner, nous n'avons pas. Ils ont beaucoup à battre au Congo, tout ça. Donc moi je pense que nous avons signé un wana. Ce qui vraiment ma démarche, c'est que vous allez mener dans le sens que les fils que sa chérie, tous Gino, comme mener ma démarche, Ezonga, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Alors honorable Tokomi presque Nasuka, nous avons passé plus de 50 minutes na émission na bisa mokola lelo moni donc c'est à dire que makambu loko les ebele to mona na tsika to kendete zoko to koma idea musika donc on ebi ke boko za deuxième volume na ngome pona lelo nebi ke to kozana na premier même ngamo do makambu ze bele fa ina poser mais donc na comprendre te na surtout que bonatali minute déjà koki pour ceux qui nous suivent déjà hier alors muto azubiso na nzela ni na ko comprendre rapidement na passage na yo na émission na biso auto sala nao. Mutu o azui biso na nzela et loko fa comprendre résumé na ngezali 1. Mboko yo eza ya biso nyonso ba kongole ya ngana yo. Eza na mutu muso ko bongisa mboko te soki biso moko ngana yo to bongisa yango te. Ya mibale na nikoloba et loko zo bebisa mboko eza mentalité. Mentalité ya biso ba kongole eza ya ko pola. Appelle si ceux qui m'ont quelque chose à foutre transport, bah que nous soyons capables na Kasangulu pour te nombre de sièges pas là bas. Olingi bilo qu'on est au Nzaka pour détruire province, pardon, Nzaka pour détruire territoire Madimba. Nga en tant que je suis quelqu'un de Madimba de père et de mère. Na ko kondi maté territoire na ngezala détruit donc tika biloko wana okozolele mafungu nunu ko kukudi kukuni ko wandu donc yambula kukuna wandu kato su mona mafungu nunu alors torobeli su likambo talia ria eza mouvement social et politique pona ko sensibiliser peuple africain particulièrement ya Congo sur la prise de conscience et le changement de mentalité et puis ekozala wana pona ko entreprendre ba projet ebele pona encadrement des jeunes et des œuvres et puis éco-créer bah atelier pour nakozwa bah jeunes et surtout au besoin tant peut-être à cause là bah étudier bah y a quoi la pour basala utile la société et donc voilà ce que je peux dire et puis dans l'obéir sur les Cambodja il y a bilan gouverneur avec le peu de temps où a sali déjà je crois 6 mois le bilan est positif et puis azo continuer sous
qu'on travaille ma vision Ezali. Donc, le peu d'État, peut-être qu'il va encore lui rester, parce que c'est la continuité des travaux de l'État. Je crois bien, beaucoup moins sous un mandat d'année autocoti jusqu'à ce que les élections team remplacent Nakoya à continuer comme ça là. Donc vraiment mutangosa là dessus à cause là. C'est vrai que même si à Kobongsa Congo central le malamon côté mais Kobonga paye un bon tout un processus. L'essentiel mutuala l'ité à zo travailler paye mais ça les hommes nana. Donc la question tu peux calaminer tes banimba banda déjà travaux il y a bétonnage, il y a barterie, il y a évêché, il y a une mission, il y a Kota Ika Bamatina Otina Basenli qui tout ça qu'on a et les gens qui sont les mains quand on a la tournée qui pourquoi pas bas ou à quand la moque route nationale numéro 16 mais on a compétence nationale même le qu'on a donc au bout un jour il y a un enfant comme un député national et pour la Kinshasa n'a pas d'accord on a porté dans la banque d'ingé ou à et ça les mains pour ce qui était qu'on a voilà quoi de sang ou tout si manel tout boule le makoufi dans mon monde on a Congo et ça mais parce que qui mouillibi et les qui donc n'a pas député bas au bébé ça Moka, na ko expliquer bino na be monsieur Koya nini au député a bébé na nini na bébé c'est la Moka Moka parce que nous sommes ça ba député c'est pourquoi tout Koya pour fonger la misu na bébé que misu ça ko fonger la pas ya population surtout donc voilà nous sona ya ko tolobela ki ba tata ba maman mais les leza mokola le to bandi mission désormais chaque mois na ko bana ko sala deux ou trois émissions na ko bando jo ba journaliste na bando sala ba conférence de presse les conférences de presse d'éveil de conscience et de changement de mentalité de la population congolaise, particulièrement de Madimba. Donc voilà, Madimba, Benokoulou, qui m'a dit que nous avons dit que son excellence monsieur le président de la république auto bundane opposition Fatih Beton deuxième mandat pour te vision azanango malgré que des fois ba compagnon naye ba collaborateur naye bazo sungé penzate mais tout rekoya ngamoko peut-être na cause la paix ministre naye to conseil spécial naye pour toi bise que non monsieur le président parce que pour naye saka chef de l'état ce qui mandat on dingue siliboye nzela ngidinge salamité mais mandat o koya ya mi balé pour na combattre campagne pour son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo Fatih Beton pour nous les intimes mandat o koya tango ko zango e ko silaté nzela ngidinga ona fo salema so kité ngana Fatih pena to yoka na tena mandat wana to yoka na tena. Merci beaucoup, merci aussi Nadia Sibadianga wazaki. Donc nzela route nationale numéro 16. Voilà, nzela wana soki baye bakango te, soki mbongo na kesa lété zate. Bon luka ta ba société à construction ya nzela ta ba Japon ta ba Japon te baye, ba Japonais baye, ba sali nzela ba tie péage. Ah, bah chinois peut passer là-bas bien, bah chinois on dirait bah que n'a pas zondé, bah chinois on est malongaté. Merci beaucoup. Donc voilà. Nzambe nangai. Bon, et monsieur Sili, qu'on a dit le monsieur Sili, bon limse. En tout cas, pour ça, vous les avez mais beaucoup à la R. Si tout mis sur tableau en ligne, donc allez-y comprendre au-delà il y a une heure du temps. Écoute, Kanga et belé ma casse, ma giga na ba giga. Hein, donc pendant qu'on garde juste les qualités et l'image. Alors voilà. Merci à Dias Badianga, Oazaki derrière nos caméras. En tout cas, nous sommes là. Tu aurais lancé un peu d'activité parce que tu as dit que tu as dit focus tu as reportage tout ça dit que Vandaki mais nous avons tout relancé, nous sommes là. Invitez-nous, appelez-nous, nous allons faire déplacer notre équipe de Roya pour travailler. Abonnez-vous à la chaîne sur YouTube, nous avons un Sewana, nous avons un numéro, adresse Gmail, Pesana, nous avons un peu comme la biso en ligne, nous avons un peu solo là parce qu'on est un peu évolué. Voilà, merci honorable Lumumba. Nkambi avant à Joseph pour na koya na yo na émission na biso et puis pour na disposer tant na yo mobimba ya koza l'ensemble na biso awa to remercier au mingi. Merci beaucoup messieurs les journalistes et merci beaucoup na baïnus to balandi biso. Je vous promets que maintenant désormais chaque mois ça, la bémission, ce qu'on appelle les émissions d'éveil de conscience et les changements de mentalité. Donc, merci beaucoup. Ce que nous avons dit, c'est que si l'élection est comme ça, nous allons continuer à éveiller conscience parce qu'il faut te mettre hors d'état de nuire tous les commerçants politiques. Mais il faut te appeler ce que les hommes d'État, les gens qui viendront pour gérer l'argent de la population afin que le pays se développe. Alors, c'est ça qui quitte mon politique. Panzi, il faut que je vous appelle le pape, il faut que je voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ok, merci beaucoup, honorable. Et voilà, à tout le monde, on se retrouve prochainement. Au revoir.